Je suis chez RSM Moto. RSM Moto, concessionnaire Kawasaki à Kreinheim. Et je suis ici pourquoi ? Je suis ici pour faire l'essai de cette Z900. Alors, c'est une moto qu'on connaît chez Kawasaki. On l'a déjà essayé l'an dernier. On va réessayer ce modèle 2021. C'est une moto qui est connue pour son caractère sportif, connue pour être un roadster amusant, performant et accessible, mais aussi pour le caractère onctueux du moteur. Alors, on va faire un essai par routier aujourd'hui, parce que ça, on connaît les performances de cette moto, il n'y a pas grand-chose de changé dessus, mais je voudrais vous prouver, en fait, et j'espère pouvoir le faire, c'est qu'on peut rouler en ville avec un roadster de plus de 100 chevaux qui fait 900 cm3, de par le caractère onctueux que délivre ce 4 cylindres, et s'il y a bien quelque chose qui est reconnu chez Kawa, c'est la manière dont ce moteur enroule. On est en 3, en 4 et même en 5, à 40 km/h ça repart. Alors, je dis 40 km/h, mais Bruxelles c'est 30. On va voir si ça passe. Bon, je vais vérifier si mon airbag est branché. Ok, parfait. On ne peut pas passer dans Bruxelles sans s'arrêter devant le célèbre Manneken Pis. On vient d'emprunter une route à pavé, une roadster évidemment en suspension un peu plus ferme qu'un scooter, qui est dédié essentiellement à une utilisation urbaine en général. Mais ici, un petit clair d'œil à un nouveau symbole national. Thank you.
Bon, et bien en fait, par rapport à la question principale que je me posais, est-ce que cette moto a sa place en ville? Ma réponse est oui. Ma réponse est oui parce que, en fait, c'est une moto qui est basse, donc elle est accessible, même à des gens qui ont des moins grandes jambes que moi. On pose très facilement ses pieds par terre. Cette moto est étroite, donc elle se faufile facilement. Et puis, je le redis encore une fois, quel moteur cette Kawasaki? Quatrième vitesse, 30 km/h. On peut même tenter la 5. Ça roule tout doucement, un filet de gaz, la moto évolue dans la circulation. C'est très facile, sorte de gravité relativement bas. Et donc en fait, c'est une moto très agile qui se conduit très facilement par un petit coup de guidon, un petit coup de rein. La moto se place exactement où vous voulez qu'elle l'aille. Et en fait, c'est une moto docile. Maintenant, une fois qu'on arrive sur un côté autoroutier, une fois qu'on va arriver sur quelque chose de plus amusant pour un roadster, là, la moto va aussi révéler toute sa personnalité et le côté explosif du moteur de chez Kawasaki. Donc en fait, je suis vraiment séduit par cette moto dans tous les niveaux où elle peut exceller, c'est-à-dire aussi bien sur la route, aussi bien en ville. Cette moto, en fait, est un modèle 2021. Il n'y a pas une grosse différence en fait avec le modèle 2020. On a principalement le passage évidemment à l'Euro 5. Vous aurez remarqué qu'il y a quelques accessoires sur cette moto, dont notamment le kit performance avec principalement comme accessoire, c'est le pot à Krapovic. Et puis il y a toute une série de petits accessoires qui ont été rajoutés par RSM Moto et qui donnent encore une petite touche racing à la moto. Alors est-ce que ça c'est bien utile? Je mettrai un grief sur les rétroviseurs Puig parce qu'en fait ils sont un peu plus courts et de ce fait montrent un peu plus les avant-bras. En ville, on a besoin d'avoir des rétroviseurs un tout petit peu plus larges et qui déterminent aussi peut-être la largeur maximum que la moto peut prendre dans les interfiles, et ça c'est important. Pour le reste, en fait, moto qui est munie de ses modes de pilotage, c'est-à-dire un mode sport, un mode road, un mode rain et un mode rider qui lui est paramétrable via l'application Rideology de chez Kawasaki. Donc voilà, bilan encore plus que positif puisque pour moins de 10 000 euros vous démarrez avec la même machine, vous en rajoutez environ 12 ou 1300 pour avoir le kit performance et il faut encore rajouter peut-être un billet de 1000 pour tous les accessoires qui pour moi ne sont pas indispensables. La moto est très bien conçue à l'origine. Alors la Krapovic, bah, il donne un peu de volume, il donne un peu de poumon et peut-être aussi un peu plus d'attention aux automobilistes que vous remontez dans les fils. Un petit coup de gaz, on les surprend, ils vous voient, ils s'écartent et ils vous laissent passer. Donc essai particulier d'un roadster sportif en plein centre-ville à Bruxelles. Je me suis régalé, je suis passé par tous les petits coins, je suis passé sur des endroits pavés. Alors évidemment, ce n'est pas le terrain de prédilection de la bête, mais en tout cas, elle s'en sort très bien. Et on n'a pas à rougir d'un confort d'une grande routière, par exemple, ou d'un trail. Donc voilà, Kawasaki Z900, modèle 2021. Ça reste toujours un moteur onctueux, riche en sensations, bourré de couple et de chevaux. Je me suis bien amusé.